Voilà, bonjour, soleil couchant oblige, magnifique contre-jour, quoi. Peut-être que je peux vous éclairer mon profil si je regarde les femmes là-bas dans le champ. On est à Rishikesh, au nord de l'Inde, à 250 km au nord de New Delhi. Et ce 1er mai 2018, jour férié en Suisse, puisque c'est de là que je viens, donc ça me compte encore pour moi, même si je vis ici en Inde et en Thaïlande. Donc pour vous accueillir, pour créer votre voyage avec vous, les voyages prodiges. Et prodigue, puisqu'on va jouer sur les deux mots, vous verrez, voit le jour officiellement, pas très important, mais quand même pour marquer la date, l'événement, la postérité. Voyage prodigue, voyage prodige, ML Simon Production. Voilà, un beau contre-jour, soleil couchant. Je vais vous montrer ces dames qui travaillent dans les champs depuis tous ces jours, là, regardez, là, voilà quoi, ben, c'est les récoltes, on va zoomer. Ah tiens, ah tiens, c'est dit, ouais, c'est bon, c'est bien. Atcha. La fin de journée là, 17h et quelques. Voilà. Oh, il y a encore du monde. Et je vous souhaite à tout bientôt, tout de bon, puisque c'est la fin de cette présentation, sommaire, bref. Regardez, il y a des interviews, des vidéos qui suivent sur la chaîne YouTube qui vient s'ouvrir aujourd'hui, 1er mai 2018. Chaîne TV, enfin, aujourd'hui on dit chaîne YouTube, il n'y a plus de chaîne TV en 2018. C'est là qu'on va se retrouver chaque fois et c'est là que vous allez découvrir ce que je vous ai préparé. Oui, des voyages atypiques, animés par un personnage atypique. Un Suisse qui vit en Inde et en Thaïlande et qui. En Suisse aussi, hein, quand même, les racines c'est important, il faut les soigner. Donc, regardez quelque part autour de cette vidéo les autres listes et toutes les autres choses que je vous présente. Là, c'était juste pour me présenter et présenter Voyage Prodigue. Voyage Prodigue. Et c'est pour vous, c'est pour moi, c'est pour nous. Vous allez voir, c'est atypique. Et vraiment, on va se faire des bons souvenirs, d'accord? Allez! À bientôt, au revoir.